Eh bien, salut les sportifs. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite séance d'abdominaux. Au total, 14 minutes d'effort. Donc on va faire deux tours de 7 exercices. D'accord ? Le temps d'effort, c'est 50 secondes. Le temps de récup, c'est 10 secondes. C'est juste le temps de se placer. Donc j'espère que cette petite séance va te plaire. Et on se retrouve comme d'habitude juste après l'intro. Allez, en place pour le premier exercice. Donc, on va faire un relevé de jambes. Donc, tu places les mains le long de ton corps ou derrière la tête. On va dire derrière la tête. Tu vas pousser une fois ici. Et après, tu montes le buste. Relevé. Buste. Ça marche ? Allez, tu as 10 secondes pour te placer. Et on est parti. Hop. Légèrement sur le côté. Donc, relevé de buste. Abdominaux. Et c'est parti. Un relevé. Et les abdos. Donc tu peux faire comme moi, mettre les mains le long du corps pour t'aider un petit peu à relever les jambes vers le plafond. Et après tu mets les mains derrière la tête pour protéger tes cervicales. Tu pousses. Ton travail, c'est d'aller pousser les pieds vers le plafond. Hop. Voilà, pousse. Hop. Ça, c'est bien. Allez, encore. Pousse, retiens et monte. Hop. Voilà, ça c'est bien, bien. Il nous reste 10 secondes, tout simplement. Hop. Hop. Deuxième exercice, sprinter sur les fesses. Donc tu te mets sur les fesses ici et on vient sprinter, hop, comme ceci. On est bon ? Allez, c'est parti. Hop. Celui-là est un petit peu compliqué. On le fait assez souvent. Penche le buste, serre les abdominaux. L'alternative, si vraiment c'est trop compliqué, tu fais des extensions ici, droite-gauche. Ça marche ? Plus dur avec les fesses posées, le buste légèrement penché. Hop. Hop. Voilà, encore. Pousse. Viens chercher la rotation. Dégage le menton de la poitrine. Grandissez-vous par le sommet du crâne. Pas de douleur au niveau du dos. Si tu as une douleur au niveau du dos, déjà tu aspires bien et tu te grandis. Si elle continue et qu'elle perdure, tu poses le buste et tu viens faire que des extensions avec le buste posé. Encore. Ok. La suite, planche sur les coudes. On va commencer par lever uniquement la jambe droite. Ici. Et tu lèves la jambe droite. Essaye de ne pas la poser. Parce que si tu la poses, tu enlèves le travail sur le fessier. D'accord ? Sur toute la chaîne postérieure. Et sur tout le membre inférieur. Donc, reste ici en position. Si c'est trop dur, bien sûr que tu peux poser le genou au sol. Genou pointe de pied. Tu continues à aspirer le nombril vers la colonne vertébrale, tu continues à tendre la jambe. Allez, encore. Hop. 10 secondes. Serre bien le fessier. Ok. La suite, un crunch. Hop. Classique, vraiment classique. Point de pied au sol. Hop. Hop. Si tu nous cet exercice trop facile, d'accord ? Ce que tu peux prendre, c'est un disque et le mettre au niveau du front. Moi, sur le deuxième tour, j'irai chercher vite le disque pour le mettre sur cet exercice-là. Hop. Là pour l'instant je le fais sans rien. Je me concentre sur la position. J'aspire bien le nombril vers la colonne vertébrale. Ok, la suite, planche, tape épaule, donc travail de stabilité, ouvre les pieds et on vient taper l'épaule ici,
Hop. Tout simplement. On va plier le coude, mais essayer de garder épaule coude aligné. Hop, tu montes juste en pliant sur le coude. L'alternative serait bien sûr en restant sur les genoux. Ne tournez pas votre buste. Restez bien gainé. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Voilà. Ok, la suite, oblique en mouvement, alors, soit sur le bras, beaucoup plus dur ici, et tu viens monter et descendre, hop, ça c'est vraiment l'exercice avec un niveau de difficulté élevé, tu peux faire le même avec uniquement le coude, tu peux faire le même avec les genoux au sol, d'accord, plus tu vas mettre de membres au sol, plus ça sera facile. Encore. Allez, plus il y aura d'appui, hein, plus ça sera facile. Choisis. Allez. Serre bien les abdominaux. Épaule, bassin aligné, toujours, hein. Tu le sais. Allez. Ok, la suite, la tortue. On va monter le buste, garder le buste en tension et la main droite, on va aller toucher la cheville droite. On va revenir au centre, main gauche, cheville gauche. Dégager le menton de la poitrine, inspirer le nombril dans la colonne vertébrale. Encore. Aspirez le nombril. C'est un petit problème de cervical. Regarde, tu peux mettre une main derrière pour protéger le cervical en posant la tête dans la main. Ok, la suite, et bien on repart sur un relevé de jambes crunch, donc le premier exercice. Allez, un relevé de jambes, et moi juste après ça, j'irai vite chercher le disque dans les crunchs. Hop. On va aller le chercher maintenant, tu ne voudras pas, je ferai sauter 10 secondes de travail. Ouh. Allez. Ouh. 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 Encore, continue, continue. Et c'est le break. Sprinter sur les fesses. Allez, hop. Encore. Si comme moi tu es fatigué, fais une petite pause, récupère, et puis tu reprends, hein, il n'y a pas de problème. Allez. Ok, pince du surcoude avec la jambe gauche levée, cette fois-ci. Et c'est parti.
Hop là. Secondes. Ok, bien, bien, bravo. Crunch avec disque. Je suis pas allé le chercher pour rien. Allez. Si tu as pas de disque comme moi, hop, tu peux le faire avec peut-être une bouteille ou avec un bidon de 5 litres. C'est à bien dégager le menton de la poitrine. Ok, bien. Planche ta épaule sur les mains. On est parti. Et ça tape. Bien gainé, serre tes abdominaux, aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Encore. Ok. La suite. Oblique. Donc moi cette fois-ci je me mets sur la main gauche, avec les jambes tendues, je te souviens. Ici, tu montes et tu descends. T'as le souci d'épaule, pose le coude. Hein. Voilà, je vais tout mieux. Hop. Allez. Encore. Sentez le travail sur l'oblique le plus proche du sol. Ah. Si c'est trop dur, tu te rappelles, je te rappelle ça. Hein. D'accord, fais comme tu le sens. Hein. Allez. Ok. La tortue ? Dernier exercice. Placez vos abdominaux en contraction. Hop. Restez gainé. Changez hop, de cheville à chaque fois. Sentez le travail hop, sur cet oblique, mais aussi sur ce crunch. Hop. Regardez le plafond. Alternez droite-gauche. Allez. Ok. Eh bien, les sportifs, voilà, c'est une petite séance d'abdominaux
que tu peux faire avant de commencer une séance cardio ou renfort, voire après ces séances-là. Donc j'espère que cette petite séance t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux d'autres mouvements ou d'autres exercices que j'ai pas fait, j'essaierai de les inclure dans les prochaines vidéos. Sur ce, je te fais un gros bisou, bonne fin de journée, peut-être bon début de soirée, et à très très vite chez Canal Gym. Bye bye.